Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'appeler Retour sur le PC des poubelles ou mise à niveau du PC des poubelles ou utilisation du PC des poubelles ou un truc comme ça. Enfin, on va juste voir ce que j'ai fait de ce PC là qui est en fait du coup ce que j'appelle le PC des poubelles puisque c'est un PC qu'on avait trouvé dans les. À côté des poubelles, mais dans les. Je sais plus comment ça s'appelle. Les dépôts, des trucs, enfin bon. Donc il y avait une vidéo que j'ai fait sur ça, vous pouvez aller la voir en cliquant juste là, si vous ne l'avez pas encore vue. Déjà je vous conseille de la voir avant de regarder celle-ci. Et le truc c'est que ce PC là du coup, je l'utilise en fait comme ce qu'on appelle donc un HTPC ou HTPC pour les anglophones. Donc ça veut dire Home Theater PC, donc, en gros c'est un PC qui sert uniquement à regarder des films et des trucs comme ça. Donc je vais vous montrer l'intérieur et puis après on va rajouter quelques autres petits trucs, notamment changer la carte graphique parce que pour l'instant on peut le brancher que en VGA parce que, enfin, il n'a pas de carte graphique, et puis aussi vous montrer le système à l'intérieur. Donc je vais l'ouvrir. Alors, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc, si on commence déjà la lime. Donc vous savez que la lime qui était avec, elle était cassée. Du coup, pour le temps de la vidéo, l'autre fois j'avais mis cette lime en attendant, que j'avais sous la main. Donc qui est une top 8 400 watts. Bon du coup je l'ai laissée puisqu'elle fonctionne bien et que j'en avais pas besoin ailleurs. Donc évidemment, carte mère. Processeur, c'est la même chose. Le ventirad, donc j'ai laissé celui que j'avais mis l'autre fois, donc un truc d'AMD. La RAM, alors la RAM, elle est pas moi, enfin, peut-être que je la rends à son propriétaire un jour, mais c'est 2 fois 2 Go de DDR2, il me semble. On va regarder ça. Ouais, c'est ça. Donc 4 au total, bon, c'est plus que suffisant pour ce système. Voilà, au niveau du disque dur, donc j'ai pas gardé les deux disques qui étaient avec. J'ai mis le plus grand que j'avais sous la main. Donc c'est un disque dur de PC portable. Et du coup, c'est un Western Digital Scorpio Blue de 500 Go. Voilà, donc c'est de la récup, hein, donc le plus gros que j'avais sous la main. Et j'ai aussi rajouté une petite carte du coup en PCI Express pour le Wi-Fi. Et du coup ça va faire partie des trucs qu'on va changer aussi. Donc juste là je vais le démarrer pour vous montrer. Vous montrer ce que c'est pour l'instant. Ok, voilà, j'ai tout branché donc à l'écran de gauche. Et maintenant, donc j'arrête de donner des coups, on va démarrer ça. Voilà. Bon, il est encore un peu bruyant. Donc vous allez découvrir la distribution que j'ai installée dessus tout de suite. Voilà, donc comme vous voyez, c'est l'Ubuntu ou l'Ubuntu. Donc je pense que la majorité d'entre vous en a déjà entendu parler. Pour les autres, je vais dire tout simplement que c'est une dérivée d'Ubuntu qui utilise l'environnement LXDE et qui donc est très légère. Et c'est pour ça qu'elle est bien, bien connue pour les systèmes peu puissants comme celui-ci. Et voilà, mais je ne l'ai jamais présenté, donc ça peut peut-être donner une idée pour une prochaine vidéo. Donc voilà, on est sur le bureau de l'Ubuntu, tout simplement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, je ne vais pas faire de présentation vite fait du tour du bureau ou de la distribution, parce que ça, je le ferai dans une vidéo peut-être dédiée à la distribution, et puis même, de toute façon, on reviendra sur ce bureau, sur cet ordi,
Bah un peu plus tard dans la vidéo, après qu'on ait fait les modifications supplémentaires. Notamment, il y a cette distribution, c'est qu'elle vient avec des applications de benchmark préinstallées. Donc on pourra peut-être les utiliser pour voir, ah, comme ici, bah pour avoir une idée. Bon, après, évidemment, ce sera pas trop utile étant donné que je n'ai jamais fait sur d'autres systèmes, donc j'aurai rien à comparer. Mais comme ça, on pourra avoir quand même, pour ceux qui utilisent ces mêmes applications, pourront du coup avoir une idée. Ok, donc maintenant on va bah, l'éteindre et procéder aux petites modifications que je souhaite faire. Voilà. Donc, je vais remettre la caméra sur lui. Donc déjà, ce que je souhaite faire, donc c'est comme je vous ai dit, c'est un PC donc HTPC. Et donc petit problème, c'est qu'il n'a pas du coup de prise HDMI là. Donc, on va rajouter une carte graphique. Alors, cette carte. Donc, clairement, c'est de la merde. Je n'ai pas le nom, j'ai pas la référence, voilà, désolé. Mais ce qui est utile, c'est juste ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'elle a une prise HDMI, c'est tout. Donc, voilà, on va rajouter ça. Donc, à la place du truc de Wi-Fi. Ok, voilà, donc là, la carte graphique est en place. Je vais rezoomer. Là, voilà. Donc, j'ai sorti la carte Wi-Fi qui était ça. Donc, c'est une petite TP-Link en PCI Express. Je n'ai pas la référence, mais bon, voilà. Pareil, ça, c'est un truc que j'avais, c'était de la récup. Hein, c'était dans mon PC principal qui est juste en dessous. Le blanc, là. Avant que je décide. Que je le relie en Ethernet. Voilà, donc la carte graphique aussi, pareil, c'est de la récup. Hein. Je n'ai rien acheté de supplémentaire à mettre dans ce PC pour l'instant. C'est bien pour l'instant, parce que vous allez voir la suite. Oui, donc la suite à propos, c'est que donc j'ai enlevé le Wi-Fi. Et pour la bonne raison qu'il fallait que je mette la carte graphique et que, comme vous le voyez, il n'y a qu'un seul port PCI Express. Il n'y en a même pas un petit comme ça, hein, avec un seul. Du coup, ben, je peux plus mettre ça. Et vu là où ce PC est dans la maison, eh ben, on ne peut pas le relier autrement que par Wi-Fi pour l'instant. Pour l'instant, peut-être qu'après, un jour, on mettra des CPL ou trucs comme ça. Mais voilà, du coup, j'ai ça. C'est pour ça que j'ai dit pour l'instant, à l'instant, c'est que eh ben, maintenant, il va y avoir quelque chose de nouveau dans ce PC. Donc, voilà, faut que j'arrête de donner des coups dans mon trépied aussi. Donc en fait c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement le même, juste que celui-ci c'est en PCI. Sinon c'est vraiment la même chose, hein. Comme vous voyez, on a 300 mégabits par seconde. On a aussi ici, donc c'est strictement le même. Donc bon, on va faire un procédé un petit unboxing des familles. Alors, on va essayer de se cadrer plus ou moins bien. Voilà. Donc, ça fait longtemps que je l'ai dans un coin, ça, que je l'ai acheté. Donc, je voulais faire cette vidéo, mais que pour diverses raisons, je pouvais pas. Donc, on y va. Regardez vite fait ce qu'il y a écrit derrière. Hein. Enfin bon. Dit juste oui, on peut le relier en Wi-Fi. Voilà, c'est absolument tout. Oh, une boîte dans une boîte. C'est toujours très excitant ce genre d'emballage. Voilà. Alors, à l'intérieur, on a une guide d'installation.
un CD de pilote dont on va pas avoir besoin. Des trucs, des infos, on a ensuite. Donc deux équerres en fait, parce que bon, ça c'est la carte en elle-même, dans un sachet antistatique, on va la regarder tout de suite. Une équerre pour les low profile, hein, pour, je vais vous montrer sur l'autre carte parce que je. Donc ça c'est les trucs taille normale quoi. Et puis après on a des boîtiers low profile donc qui sont plus fins pour être plus discrets. Donc on peut remplacer pour mettre ça. Voilà. Et deux antennes. Je pense que je vais utiliser les autres antennes, c'est-à-dire celles qui étaient avec cette carte. Comme ça, juste celles-ci, elles resteront neuves dans leur emballage. Je pense que ça change rien, mais c'est juste que comme je vais en avoir deux d'utilisés et deux de non utilisés, comme ça laisse celles-ci dans leurs emballages. Bon. Alors, on va mettre ça de côté. La carte maintenant. Voilà. Donc évidemment elle est plus longue à cause de la longueur du truc PCI. Mais sinon c'est le même chose dessus, exactement pareil. Ah bon, on peut noter une petite différence que les deux antennes sont plus proches, que la LED n'est pas au même endroit, enfin bon voilà. Donc maintenant on va installer ça en bas dans le PC. Voilà, donc je l'ai mise tout en bas, je l'ai pas mis sur celui du milieu, pour la seule raison que en fait le truc métallique ici, bah, il était pas encore enlevé, alors que là il était déjà enlevé, juste pour ça. Maintenant il faut que je trouve une petite vis. Voilà, maintenant on va remettre les petites antennes. Et maintenant, on va, avant de redémarrer, bah, du coup, changer le câble. On va mettre, bah, du coup, un câble HDMI à la place. Ok, voilà. Ok, voilà. Donc l'écran est connecté en HDMI et on va du coup démarrer le PC. Donc normalement, aucune des deux cartes ne devrait nécessiter l'installation de driver. J'ai les toutes déjà utilisées sous Ubuntu. Enfin bon, celle-ci pas exactement, mais bon, c'était celle-là, donc c'est la même chose. Et les deux sans driver qui fonctionnent sans problème. Du coup, bah là, je pense que ça devrait être la même chose. Ah, donc je vais peut-être retourner un petit peu la caméra comme ceci. On voit le bras du micro qui passe. Voilà. Et bah du coup là c'est en train de démarrer. Donc déjà bon, on peut remarquer que la résolution est meilleure puisque le texte est écrit en plus petit. Voilà, oui c'est beaucoup plus petit là. On voit mieux. Alors, si on va chercher dans paramètres de l'écran, voilà. Voilà, c'est ça exactement. Maintenant on est passé du coup bah, dans la résolution. Donc 1920 par 1080. Donc la résolution, bah, Full HD classique, quoi. Voilà, au niveau du Wi-Fi, alors. Au niveau du Wi-Fi, bah, la connexion, y a connexion établie. Donc on va juste aller faire un tour sur Internet pour voir si ça fonctionne. Internet, donc c'est Firefox, c'est le navigateur installé par défaut. Je ne l'ai pas changé, parce que bah, aucun besoin de le changer. C'est un excellent navigateur. Alors on va aller voir si ça marche. On va peut-être aller youtube.com.
Com. Au passage, j'ai rien installé de supplémentaire sur ce PC, mis à part VLC. Ah, donc il n'y aura pas de son, parce que j'ai pas branché d'enceinte. Et bon, donc pas trop nécessaire ici. Donc voilà, on voit du coup Internet qui fonctionne tout à fait bien. Donc si on met une de mes vidéos, par exemple. Celle-ci, comment camoufler Ubuntu en macOS. Il faut aller la voir, d'ailleurs je vais vous mettre un petit lien. Et on voit, bon, voilà, la pub fonctionne. Et après, du coup, la vidéo devrait fonctionner elle aussi. Voilà, la vidéo fonctionne. Est-ce qu'on peut même demander de la HD? Voilà, puis la HD a l'air de fonctionner. Donc, à la fois au niveau du Wi-Fi, puis au niveau de l'affichage. Donc ça a l'air vraiment pas vraiment cool et vraiment mission accomplie quoi pour avoir enfin juste rajouter cette petite carte. Enfin, en même temps j'ai du mal à voir comment ça aurait pu échouer. Donc maintenant on va lancer l'outil de benchmark. Alors dans ma mémoire il y en avait 4 installés sur c'était sur une ancienne version, peut-être qu'ils en ont supprimé. Ou peut-être qu'ils n'ont pas le même nom. Enfin qu'il n'y a pas benchmark dans le titre comme je ne les connais pas. Donc là, je vois juste système, truc qui s'appelle système profiler and benchmark, qui en fait s'appelle quand on va voir dans les à propos, qui s'appelle hard info en fait. Voilà. Mais bah du coup en fait, j'en vois pas trop. Bon bah donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer celui-ci. Je vais fermer Firefox derrière. Generate report. Ah et là il propose 4 trucs. C'était peut-être avec ça que j'ai confondu alors. Donc computer, device, network et benchmark. Et là il y a plusieurs trucs. Et ouais non je pense que c'était ça alors. Bon, ben allez, on va faire Generate Report. On va sélectionner un emplacement, on va mettre dans Document. Et voilà, donc là c'est bon, j'ai jamais lancé ce truc de benchmark en particulier. En fait, j'en ai jamais lancé sur le Linux. Parce que j'en ai jamais eu besoin et puis que je m'en fous un peu. Donc voilà, mais bon, là c'est le moment où ça doit mettre du temps, puisqu'il doit calculer des trucs. D'ailleurs, il y a écrit... en bas de la fenêtre, ce qu'il est en train de faire. Voilà, donc ça change qu'au moment où il change de truc. Donc j'ai pensé à un truc, c'est peut-être que pour une autre vidéo, je ferai ce truc de benchmark sur tous mes PC Linux, voire peut-être pas tous, mais enfin les principaux, juste par curiosité, même si ça aura aucun sens de les comparer entre eux puisque c'est des machines très différentes, mais en fait juste pour avoir une référence. Oula, attends, il me demande déjà de open dans un web browser. Bon, on va faire du coup, même si la petite barre en bas. Enfin, ah bah si c'est déjà fini, bon. Ça devait pas être des trucs très très compliqués. Ouais donc, parce que vous savez, benchmark ça veut dire référence, et donc le but c'est d'avoir une référence, et là j'en ai absolument pas. Et du coup, bah, faire sur différents trucs juste pour avoir une référence et du coup peut-être faire une petite vidéo même si elle aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais me le mettre sur une clé USB et que comme ça on pourra le regarder depuis mon autre PC directement en capture vidéo, donc capture d'écran. Voilà, c'est copié sur la clé USB. Et du coup maintenant on va pouvoir éteindre tout ça.
Voilà. Un autre truc que j'aimerais dire sur ce PC, c'est que comme vous voyez, on vous dit c'est un HTPC et c'est une énorme tour ATX, donc c'est pas très très esthétique, pas très très pratique. Mais la carte mère est au format micro ATX. Et en fait j'aimerais, j'en ai pas trop, et j'en avais trouvé il y a longtemps, mais je l'avais pas acheté parce que j'en avais pas besoin, et puis là je l'ai pas retrouvé. Un boîtier, si vous connaissez, pour les cartes mères, donc micro ATX comme celle-ci, mais horizontale et pas trop trop volumineux. Parce que le problème, enfin, c'est qu'on trouve beaucoup de boîtiers comme ça, mais c'est pour des encore plus petits mini ATX. Mais pour des cartes comme ça, ben, ça existe, mais on a du mal à en trouver, surtout maintenant que le format ben, mini ATX existe et est devenu populaire justement parce qu'il est tout petit. Voilà. Bon, ben là, on va juste refermer le PC. Ok, nous revoilà tout de suite du coup bah, sur l'autre PC avec eh bien les résultats du PC des poubelles. Donc je vais agrandir un petit peu parce que peut-être que vous ne voyez pas correctement. Voilà. Et donc bah, on va regarder tout de suite. Alors en fait au début il donne des informations. Donc sur l'ordinateur. Sur après sur la résolution, tout ça il donne sur tout et en fait les benchmarks sont à la fin. Donc on va quand même regarder un petit peu tout puisque c'est la première fois en fait que je regarde bah, cet outil donc de benchmark dont j'ai déjà oublié le nom mais c'est pas grave puisqu'il était dans la vidéo un petit peu plus loin, je le remettrai en sous-titre peut-être ou pas. Donc évidemment pour le processeur, bon, tout ça on connaissait. C'est-à-dire donc que c'est un Athlon 64X2. Donc la mémoire, donc 4 Go. Le système d'exploitation, donc ouais. En fait, c'est Lubuntu, donc 16.04 LTS. Il donne même le username. Ok, pourquoi pas. Résolution. Ensuite, il donne des infos aussi sur le système d'exploitation. Donc voilà, Linux, donc 4.4. Avec Ubuntu 16.04. Le nom du PC HTPC, l'environnement LXDE. Kernel module, bon, ça on s'en fout. Là, il donne même un historique des démarrages les plus récents. Ok, bon, c'est sympa. Les langues installées, c'est vraiment un outil très complet. Hein. Je remarque ça maintenant. Ok, donc les systèmes montés. Écran, extension, vraiment. Alors, device avec les deux processeurs, les deux cœurs. Les mémoires. Appareils PCI, les appareils USB, les imprimantes, les batteries, les trucs de température 37. Alors, je sais pas où est-ce qu'il était, le capteur de température, mais c'est pas mauvais quand même. C'est assez frais. Enfin, ça dépend où est-ce qu'il était, mais comme je sais pas du tout si c'est une température du processeur, c'est assez frais quand même. Je pense pas, je pense que ça doit être plutôt aux alentours, mais pas vraiment dedans. Enfin, au niveau même du truc. Le réseau, du coup. Et on arrive du coup au benchmark. Enfin, alors, d'abord on commence avec avec CPU Blowfish. Et là on voit que celui-là est très gentil parce qu'il donne lui-même du coup des trucs de comparaison.
Donc, this machine, donc à 2410 MHz. Alors, je peux le donner en gigahertz, enfin, étant donné que celui-là il est en gigahertz, mais après celui-là il est en mégahertz aussi. Ok, je vois pas trop pourquoi. Oui, bon, enfin, parce que celui-là ça fait moins d'un gigahertz. Voilà, du coup, donc CPU Blowfish, donc on a un score donc de 8196. Alors que l'Intel Celeron M il était plutôt à 26 et le PowerPC à 172. Donc je dis ces valeurs, mais en n'ayant aucune idée de ce qu'elles représentent. Voilà, donc c'est seulement pour ceux qui savent déjà ce qu'elles représentent. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus tard avec donc en comparant d'autres trucs. Pour le moment, juste je les explique et je vais pas pouvoir les commenter parce que je sais pas ce qu'elles représentent. Donc CPU Crypto H. Donc on a 166 556. Ensuite CPU Fibonacci, on est à 3484, un score encore très élevé par rapport aux deux autres. N Queens, du coup on est à 18107. FPUFFT, on est à 7726. Et Ray Tracing, on est du coup à 10 549. Je ne peux pas commenter de plus. En tout cas, bah, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Du coup, on va se dire bientôt, bientôt, non, à bientôt. Voilà, donc pour une prochaine vidéo, qui sera peut-être donc, comme je l'ai dit, une vidéo où on va benchmarker plusieurs PC pour bah, se faire vraiment une référence, hein, puisque c'est ça le but de benchmark à la base, ça veut dire référence d'ailleurs. Ou alors peut-être une présentation de Lubuntu, hein, comme on en a parlé, puisque je ne l'ai pas encore présenté. Ou peut-être une vidéo qui n'aura complètement rien à voir. En attendant, je vais vous dire salut à tous et à la prochaine. Et si vous vous ennuyez et que vous ne savez pas quoi regarder, je vais vous conseiller ma présentation d'une distribution, une autre distribution assez légère, qui n'est pas Lubuntu ou Lubuntu, mais qui est légère aussi, qui s'appelle Linux Lite, que j'avais donc testé ainsi que installé sur mon PC le plus pourri, donc c'était il y a quelques mois déjà, donc on a un petit lien pour y aller ici. Et puis d'ailleurs, peut-être que ce PC pourri, ben, on le testera aussi en benchmark, je pense, quand je ferai la vidéo. En attendant, merci à tous, à la prochaine. Voilà, vous avez eu des petites nouvelles du PC des poubelles. Donc les prochaines étapes, si on continue à améliorer, je pense que ça va être de changer le disque dur. Et peut-être aussi de lui changer la lime, puisque ben, en fait, celui qui là c'est la lime d'un autre PC. Bon, alors que j'utilise pas, mais peut-être qu'un jour je pourrai en avoir besoin, donc voilà. Bon, ben, je vous dis salut à tous et à la prochaine.